monde a fait la grâce d'être dans une fédération. Parce qu'on ne travaille pas seul. Quand on a une mission dans un pays, il ne faut pas travailler seul. Alors nous sommes dans une fédération. Fédération des églises évangéliques de la francophonie. Et le président de cette fédération est là. Il est en même temps non seulement le président de cette fédération, mais le secrétaire général du Conseil des évangéliques, Conseil national des évangéliques de France. Il en est le secrétaire général. Je nomme le pasteur Caron qui est là, le président. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Amen. Ben, c'est vraiment pour moi une joie d'être au milieu de vous ce matin et avec tout ce que nous avons pu entendre de nos chers frères, ben, je ne sais plus quoi dire. Mais je crois qu'il est important de regarder vraiment la parole de Dieu que le Seigneur veut vraiment nous dire au travers de sa parole. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christian, je suis marié à une femme depuis 40 ans. Et comme c'est la fête des hommes, c'est normal de dire « je suis fidèle à ma femme ». J'ai 4 enfants et je suis grand-père de 7 petits-enfants. Alors le thème que j'ai, la fête des hommes, selon 1 Corinthiens 13, la mission des hommes. Alors là, je me suis dit, ah, le pasteur Jean-Claude, il ne m'a pas gâté. Alors, donc, comme c'est la fête des hommes, mes chers frères, ça va être votre fête. Mais la fête selon ce que dit la parole de Dieu. Et je vais quand même lire le passage qui nous a parti ce matin. Quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Prions Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, ensemble ce matin, nous voulons être à l'écoute de ton esprit et Seigneur, aussi à l'écoute de ta parole.
Car comme tu le dis, les choses sont merveilleuses. Mais les choses sont si importantes que nous voulons prendre vraiment ta parole au sérieux. Seigneur, la terre et les ciels passeront, mais nous savons que tes paroles ne passeront pas. Et que ces instants soient vraiment des instants merveilleux, car nous savons que tu es là, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Seigneur, nous voulons vraiment ensemble te dire merci pour l'amour que tu nous donnes les uns les autres. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Amen. Amen. Alors, je pense que tous nous voulons être aimés. Et nous avons besoin de savoir que d'autres nous aiment et nous acceptent. Et je pense que tout cela est bien naturel. Pourtant, notre besoin le plus grand est d'être conscient que Dieu nous aime et il nous accepte. Est-ce que vous êtes conscient que le Seigneur vous aime ? Amen. Est-ce que vous êtes conscient que le Seigneur vous accepte ? Amen. Et ce qui est vraiment merveilleux dans cet amour, le Seigneur nous accepte tel que nous sommes. Amen. Car il sait que nous voulons aller pas à pas sur un chemin de sainteté, sur un chemin de sanctification. Il nous aime parce qu'il sait que nous voulons plaire à sa parole. Alors, dans le monde où nous vivons, ce qui a été dit tout à l'heure, le mot est utilisé d'une manière très différente de ce que dit la parole de Dieu. L'amour de Dieu est unique et très différent du lien émotionnel qui peut exister entre un homme et une femme ou dans le cadre d'une famille. Dieu est esprit et son amour est donc spirituel plutôt qu'émotionnel. Un amour spirituel peut sembler abstrait et impersonnel, mais au contraire, l'amour de Dieu est plus réel, constant et digne de confiance que tout autre amour. Il est aussi très pratique et personnel. Dieu nous aimait bien avant que nous l'aimions ou le connaissions. Alors nous allons voir l'amour de Dieu, l'amour vraiment de Jésus, et ce que nous-mêmes nous pouvons faire. L'amour humain contient des aspects égoïstes et peut changer facilement en fonction de l'humour ou des circonstances. L'amour de Dieu est invariable, ne varie jamais, toujours le même. Mais nous-mêmes, quelle est la mesure que nous aimons ? Est-ce que j'aime par exemple ma femme pour ce qu'elle me donne ou j'aime ma femme pour ce qu'elle est ? C'est une chose différente. Et je crois que selon ce qui est en face de nous, notre amour peut varier. Mais l'amour de Dieu, lui, ne varie jamais. Il nous aime parce qu'il est amour. Et aimer, c'est tout simplement la nature de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une raison pour aimer. Il aime tout simplement. Mais nous avons besoin quand même de comprendre comment il aime son peuple. Alors la solution que Dieu offre aux êtres humains est l'expression de son amour pour eux. Comme je viens de le dire, l'amour de Dieu ce n'est pas une émotion, mais bien au contraire une action concrète qui lui a coûté la vie et la mort de son fils Jésus. Jésus est l'expression suprême de l'amour. Et c'est par Jésus que Dieu a amené toute la création à l'existence. Il était là, toutes choses ont été créées. L'homme était le sommet de cette création, créé à son image, pour être à sa ressemblance, pour refléter sa nature, pour vivre dans l'unité avec lui. Cependant, il est important de faire un constat que nous pouvons faire. La décision prise par l'homme, c'est de pécher.
de désobéir à Dieu et de se rebeller contre sa volonté et a rompu cette unité. Alors, l'homme, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi les frères, ça va, je suis bien passé parce que je suis un homme. Hein, donc je peux dire aussi des choses. Mais l'homme est devenu orgueilleux, égoïste et indépendant. Et ceci est opposé à ce que Dieu voulait. Cette désunion eut un effet désastreux en séparant l'homme de la vie de Dieu et de son amour. Mais Dieu a de la persévérance, a continué à l'aimer et l'a démontré en retenant le jugement contre lui. Car si Dieu avait traité les hommes et les femmes comme ils méritaient, il les aurait purement, simplement effacés de la surface de la terre. Mais à cause de son amour, il n'a pas voulu le faire. Il n'a pas voulu nous juger. Le Seigneur veut nous restaurer au lieu de nous juger, nous pardonner au lieu de nous condamner. Alors Jésus, envers chacun d'entre nous, veut, au lieu d'exercer son droit à nous juger, il veut nous démontrer de la compassion et de la miséricorde. J'ai tenu à tout presque écrire pour rester dans les 30 minutes. Tant qu'à faire, c'est l'obéissant, 30 minutes, c'est 30 minutes. Si le Saint-Esprit le permet, on ira peut-être plus loin, mais je crois que déjà, c'est une obéissance. Seuls ceux qui ont personnellement reconnu le besoin de ce qu'il a fait à la croix, je dirais, entrent dans cette vie nouvelle et reçoivent son esprit et qui fait sa demeure en eux. Parce que bien souvent, je le dis, le but, c'est de croire en Dieu, c'est une chose. Nous pouvons aussi croire au Père Noël, mais ça va à un certain moment. Mais le but, c'est de croire en Jésus. Mais pour que nous puissions croire réellement en Jésus, il faut que notre vie soit vraiment assise sur la parole de Dieu. De croire, c'est une chose, mais il faut vivre avec lui. Et plus nous vivons avec le Seigneur, plus nous croyons à sa puissance. Jésus a souligné très précisément qu'accepter ce salut comprend deux choses. Avant d'aller plus loin dans l'amour, il y a la repentance et la foi. D'abord, le pécheur doit confesser ses péchés à Dieu et être personnellement pardonné afin d'être déclaré juste devant Dieu. Puis, il doit croire qu'il est pardonné, qu'il est accepté de Dieu et qu'il a reçu de lui une vie nouvelle. Est-ce que nous avons reçu une vie nouvelle? Oui ou non? Cette vie nouvelle en Jésus. Nous sommes sous l'autorité de Dieu afin qu'il soit pour lui à la fois le Sauveur et aussi le Seigneur de notre vie. Qu'il soit le Sauveur, c'est une chose. Mais qu'il soit le Seigneur, c'en est une autre aussi. Les deux vont de même. Et il est dit dans la parole dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc dans votre corps. » Alors, pour entrer dans le vif du sujet, beaucoup de chrétiens vivent un conflit inutile dans leur vie parce qu'ils veulent tous les bénéfices du salut, mais en même temps, ils veulent toujours vivre pour leur propre but. Et ça, ça ne peut pas aller. Ils veulent bien que Jésus entre dans leur vie pour la partager, mais ils veulent toujours la maîtrise de leur destinée. Ils ne voient pas que le but de Dieu est que nous n'ayons pas à sa vie et à ses voies. Ça, c'est un petit peu le problème que nous avons. Nous voulons vraiment toutes les richesses, mais nous ne voulons pas faire les efforts. Nous voulons vraiment marcher selon la parole de Dieu, mais nous renions tout ce qui fait la force, c'est-à-dire la repentance et la foi. C'est dans ce but que Dieu veut vivre en nous par son esprit. Non pas que nous utilisons sa présence pour accomplir nos plans, mais pour qu'il nous dirige dans ses buts.
Mais je vois certains membres de l'église, où je suis à Maranatha, ah, ils veulent tous les droits, mais ils n'en veulent pas les conséquences. Ils veulent plein de bénédictions. Moi, je vois un homme, il dit, ah, mais je voudrais vraiment me marier. Mais je lui dis, tu sais, hein, déjà d'une, si tu ne changes pas ton fusil d'épaule pour avoir une femme, ça va être difficile. Parce que tu vis comme un égoïste. Tu vis que pour toi-même. Mais lorsque nous aimons, c'est pour donner à l'autre. Amen. Le Saint-Esprit œuvre en nous pour nous rendre capables d'accomplir ses buts. Et ce voilà, on peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit œuvre en nous pour que nous rendons capables d'accomplir toutes choses. Nous devenons vivre en disciples de Jésus. Renoncer à nous-mêmes, hein, les frères. Nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes, à nous prendre, à prendre la croix, à prendre la croix de Jésus et le suivre, pour être des témoins dans le monde, en répandant la bonne nouvelle de son royaume, par nos paroles. Ah oui, on parle beaucoup, mais aussi par nos actes. Par nos paroles et par nos actes. J'ouvre la parenthèse. Le Seigneur voit toutes choses. Une fois, j'attendais le RER. Et il y avait toujours des contrôles. Mais comme à Cergy, je connais pas mal de monde, je regarde, j'étais comme ça, j'attends. Ah, mais tiens, je vois un chrétien. Ah, c'est bien. Hop, il passe par-dessus la balustrade. Ah, ça, c'est pas mal. Et je vois un deuxième. Attendez, je lui dis, c'est pas vrai. Alors là, hop, j'ai pris le voyage avec lui, je me suis mis à côté d'eux. Et après, on a pu discuter. Ah ben, tu es chrétien, maman, oui. Mais j'ai tout fait, c'est ce que je viens de faire là. Au bout de 10 minutes, je lui dis. Je dis, mais attends, c'est bien beau de prêcher la parole de Dieu, c'est bien beau de dire que Dieu est bon. Mais tu as une lettre lue. T'as pas de sous pour payer ton ticket. Ah oui, mais j'étais pressé. Oh, tu étais pressé, mais on a quand même attendu ensemble 10 minutes. On ne se moque pas de Dieu. Nous voulons la bénédiction, mais marchons selon la vérité. Nous découvrons que nous ne pouvons aimer Dieu qu'en aimant notre prochain et que tout ce que nous faisons pour les personnes qui nous entourent, nous le faisons aussi pour lui. Dieu ne s'attend pas à ce que nous aimons de cette façon sans qu'il nous donne son propre amour. Mais il savait que les promesses de l'Ancien Testament seraient accomplies par la nouvelle alliance et établies par notre Seigneur Jésus. Je verserai sur vous de l'eau pure. Et vous serez purs. Je vous purifierai toutes vos actions impures que vous faites pour les faux dieux. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter, de faire ce que je vous ai commandé. Voilà ce que Dieu voulait accomplir par le ministère, par la résurrection de Jésus. Jésus envoya son esprit pour qu'il vive en tous ceux qui croient en lui, afin qu'il poursuive son ministère d'amour et de ministère et de grâce dans le monde. Avant de monter au ciel, Jésus dit ces paroles. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Car Jésus leur avait promis, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et leur a expliqué ce que cela signifiait. Mais vous, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, pour nous à Saint-Denis, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant la venue du Saint-Esprit, leur vie devait être préparée à devenir un temple. Un temple de la présence et de la vie de Dieu. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir
dans des vases impurs, mais seulement dans des vases purifiés par le sang de Jésus, ceux qui avaient reçu un cœur nouveau par la nouvelle naissance. Lorsque nous faisons réellement cette expérience personnelle avec le Seigneur, j'ai dû personnellement vider mon vase jusqu'au bout. C'est pour cela, ça fait 42 ans maintenant que je suis converti, que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais 42 ans après, je suis toujours sur le chemin de la conversion, de changer. Oui, de changer. Il y a des choses en moi qui doivent encore disparaître. Et comme je dis, ben, il y a encore des choses qui vont pas. Et des fois, je m'en veux de mes réactions. J'étais un menteur. J'étais vraiment un menteur. J'étais le professionnel du mensonge. Mais c'est comme celui qui est délivré de l'alcool. C'est comme celui qui est délivré de la boisson, de la drogue, oui, etc. Il faut toujours qu'il fasse attention pour ne pas retomber. Et bien pour le mensonge, c'est pareil, et je n'ai pas peur de le dire. Marcher selon la parole de Dieu. Mais ça m'épuise. Ça me fatigue, des fois. Mais quelle joie. Quelle joie, car le Seigneur vient en nous. Mais tout est possible. Tout est possible. Et moi, je sais que c'est quelque chose avec qui les frères, je me suis marié avec une femme et je lui avais raconté beaucoup de mensonges. Vous vous rendez compte un peu? Elle m'a ouvert ses bras. Mais il y a un certain moment où j'ai demandé pardon. Et je crois que lorsque nous sommes un homme, nous n'avons pas peur de dire pardon ou je me suis trompé. Une fois en pleine chair, je m'étais trompé, je dis, écoutez, je suis, ah, excusez-moi, la semaine dernière, je me suis trompé. Le but n'est pas que je me sois trompé, c'est que je reconnais que je me suis trompé. Et la confiance, elle vient de plus en plus. Et c'est ça, je crois que le but, ce n'est pas de dire les choses, mais c'est de vivre. De moins en moins, je dis à ma femme que je l'aime. Pourquoi? Parce que j'ai agi. Et elle voit que je l'aime. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Oh Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tu parles. Ouais, je t'aime. Mais le but, c'est pas de dire je t'aime. Je veux marcher selon ta parole. Ça suffit, il sait. Marcher selon sa parole, ça veut dire que nous l'aimons. Pas l'écrit. La nature de cet amour. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne souffle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Amen. Il pardonne tout. Wow. Alors moi, je vais être quand même honnête avec vous. Voilà ce que le Seigneur dit qu'il faut pardonner. Et je préfère dire, voilà comment nous devons pardonner, que de dire en haut de la chair, vous devez pardonner. Je me connais, je sais ce que je suis, et il y a peut-être certaines circonstances, est-ce que je serai capable de pardonner? Je ne sais pas. Je vous le dis, je ne sais pas. Mais je fais tout pour être sur ce chemin, que je puisse pardonner, quels que soient les problèmes, les difficultés que je peux rencontrer. Sinon le diable est, oh le diable, attends. Vous savez, bien souvent, c'est nous qui donnons les bâtons à l'adversaire pour nous taper dessus. Alors je vais vous dire, oui, frères et sœurs, pardonnez, faut pardonner. Oui, là moi je vous le dis, il faut pardonner. Mais le souci, il faut vraiment avoir la parole de Dieu en nous. Je vais vous donner un exemple. Je peux. Ma femme, elle a un handicapé visuel. Elle marche avec une canne. On est revenu de Grenoble avec le pasteur de la pastorale. J'arrive à la gare de Lyon. La gare de Lyon, il y a un grand escalator pour aller voir le RER. Il y a quelqu'un qui me bouscule. Je lui dis, pardon, s'il vous plaît. Ça va. Hein, je lui dis, vous voyez, mon épouse, elle dit, mais attendez, ça va. Et d'un seul coup, cette personne court, me bouscule,
Et en bas de l'escalator, il dit, mais de toute manière, je n'aime pas les handicapés. Oh. Ah, j'ai dit quelque chose que tout le monde a entendu. Il est venu me voir. Il dit, enlevez vos lunettes, je vais vous donner un coup de poing dans la figure. C'est ce qu'il me dit. Et je dis, mais... Et là, j'ai eu une mauvaise... J'ai dit, attendez, c'est bon. Mais je me suis dit, il faut que je dise rien, parce qu'il y avait 3 ou 4 jeunes qui étaient là, et ils attendaient que la personne me bouscule un tout petit peu. Ça aurait, à mon avis, fait un scandale dans le RER. Je ne l'ai pas fait. Mais par contre, si je revois cette personne, je vais lui demander pardon. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une réaction qui n'était pas bonne. Et ça, vous voyez, je m'en suis voulu. Et je m'en veux encore. Parce qu'en fin de compte, on aime aussi ses ennemis. Là, c'est devenu un ennemi, le frère, cette personne. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est pas bien non plus. Qui doit abdiquer ? C'est lui ou c'est moi ? Ben, c'est moi. Que ferait Jésus à ma place ? Il l'aurait aimé. Donc, je crois que ça, c'est un combat. Mais il faut reconnaître que c'est là où je vois encore qu'il y a des petites cases de sanctification. Bon, on n'a pas... La chair, elle est toujours là pour pouvoir... Non, mais je crois qu'il faut demander pardon. Il faut marcher selon la parole de Dieu, et Dieu hein, se réjouit, et on aura vraiment de grandes choses. Alors, même si nous sommes un chrétien, en regardant nettement notre vie, nous devons constater qu'il y a beaucoup de choses qui semblent être à l'opposé de ce que peut dire la parole de Dieu. Il est ainsi, parce que notre chair, notre vie naturelle, est entièrement différente et ne peut comprendre la vie de l'Esprit en nous. Est-ce que nous connaissons tous notre chair? Est-ce qu'on se connaît bien? La chair est impatiente. Dépourvue de bonté, envieuse, vantarde et orgueilleuse. La chair est grossière et égoïste. La chair se met facilement en colère, non ? Vous, non, jamais. Ne s'irrite jamais. Il s'irrite, il est rancunière. La chair se complaît dans les péchés qui satisfait l'ego et la pulsion du corps. La chair préfère la raison à la foi. La chair est facilement influençable. La chair abandonne très vite et se décourage. Et moi, je peux dire qu'il y a en France, comme dans chaque pays, il y a toujours des défis. Mais je crois que la chair détient le record de l'échec continuel. Moi, mon plus gros problème, c'est moi-même. Ce n'est pas les autres, c'est moi-même. Parce que cette chair, elle est vraiment faible. Oui ou non ? Est-ce que je suis tout seul à penser pareil ? Nous sommes égoïstes, il faut le dire. Nous essayons de penser qu'à soi-même. On veut aider l'autre à condition que le silence nous donne. Mais non, le peu que j'ai, comme cette femme, ben donne-le au Seigneur. Tant que nous serons sur cette terre, nous aurons toujours affaire avec la chair. Mais si nous nous soumettons à Dieu, si nous sommes remplis de l'Esprit, notre chair dominera plus sur nous et ne contrôlera plus notre vie. C'est là que l'apôtre Paul déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Chers amis, lorsque nous étions gouvernés, dominés par notre chair, nous étions sous la sentence d'une condamnation à mort. Mais maintenant, par son amour extraordinaire, Dieu nous a délivrés de la loi du péché et de la mort, et il a mis en nous l'esprit de vie. Alors, c'est vrai, il y a des paroles qui peuvent rigoler, faire rire. Hein, on peut faire raconter beaucoup de choses, hein, se faire plaisir, hein, pour vous être agréable, de vous faire rigoler. Mais je crois qu'il est dit dans la parole de Dieu, à la fin des temps, où trouverai-je la foi ? C'est ce que je pense. Ce n'est pas les gens de l'extérieur, c'est des gens comme nous.
Est-ce que nous mettons vraiment la parole de Dieu en pratique? Regardez ce qui s'est encore passé. Et là, je pense que vous êtes tous d'accord avec nous. Quand je parle que je suis marié à une femme. Ben oui, il faut le dire maintenant. Il faut le dire. Il y a 10 ans, hein, ça pouvait faire rire. Maintenant, c'est une réalité. Il faut qu'on fasse attention à ce que nous allons dire. Mais je crois que lorsque nous sommes enfants de Dieu, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. S'il faut que j'aille comme Paul en prison, ne dites pas tout de suite, c'est parce que j'ai volé. Mais la persécution arrive aujourd'hui. Arrive. Et pour annoncer l'évangile, vous voulez, ils disent, mais c'est fini maintenant. Non. C'est ce qui va se passer. On s'est passé pour des gens, ah oui, mais vous êtes des chrétiens, vous êtes homophobes, vous n'aimez pas hein, les alcooliques, alors, hein, pour dire, hein, les homosexuels. Comment ça? Mais si on les aime. Mais c'est pas pour autant qu'il faut hein, reconnaître, c'est un péché, point à la ligne. La parole de Dieu est la vérité. Même si ça ne plaît pas, qu'importe. Alors si comme s'il y a quelqu'un, il se drogue, non, ça c'est très bien, nous continuons. Mais non. Et nos enfants, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce qu'on va en faire de nos enfants? Quel héritage qu'on leur donne? Un papa, une maman, vous êtes d'accord avec moi? Mais priez pour ce pays. Mais où on va? Et on veut délier. Dans quelques années, à la chaire, il y aura aussi des pasteurs homosexuels. Oui ? Je ne suis pas d'accord. Si demain, pasteur Jean-Claude Gabou, si demain, je divorce, allez, je divorce, je me remarie, et si tu me vois prêcher encore l'évangile, viens me voir et tu me dis va t'asseoir. Voilà. C'est pas un métier, c'est une vocation. Quelle image que nous donnons, les hommes, quelle image que nous donnons à nos femmes, à nos enfants, à l'entreprise. Mais je crois que c'est vraiment important. Amen. Dire la vérité. C'est une chose, mais de l'appliquer, c'en est encore une autre. Et je peux vous dire que le combat, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Bien souvent, je dis, mais la parole de Dieu, on commence à mettre de l'eau dans son vin, on dit. Mais non, on n'est pas là pour la diluer. Un chat, c'est un chat, c'est pas un chien. Amen. Chaque chrétien a chaque jour un choix devant lui. Marcher dans la chair ou marcher dans l'esprit. Se faire plaisir à soi-même, faire preuve d'égoïsme ou d'amour. Alors nous découvrons que nous ne pouvons aimer Dieu qu'en aimant notre prochain. Plus nous comprenons l'amour extraordinaire de Dieu envers nous, plus nous sommes désireux d'aimer ceux qui sont autour de nous. Moi je vous aime. Ça sera pas vrai, je ne vous le dirai pas. Ben, je vous aime. Par contre, quand vous chantez, vous me donnez un peu un... Comment ? Ah, ça m'embête. Dans le sens, ça fait très longtemps que je ne suis pas reparti au pays. Hein? Et ça me gêne de ne pas danser. Alors donc là, j'étais content de hein, vos chants, de la manière de vous exprimer. Moi, ça me... J'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup. Et ça m'avait rappelé, hein, quand j'allais souvent au Centrafrique, hein, et je dansais parce que hein, les frères, on peut danser ensemble. Hein. Il n'y aura pas grand-chose qui va changer, simplement que la couleur. Point, c'est tout. Hein. Parce que le rythme est dans la peau. Mais et c'est ça qu'on est ensemble. Amen. Amen. Frères et sœurs, parce que c'est aussi pour vous, hein. Attendez là. Hein, allez pas voir votre mari tout à l'heure, t'as vu ce qu'il a dit là? Non. Attention, hein. Vous aussi, hein. Vous n'êtes pas comme moi, des fois. Hein. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, hein.
où on dit des fois, moi j'ai toujours dit à ma femme, dis, écoute chérie, hein, ça se dit? Ah ben je l'ai dit. Hein. Elle dit, je change. Dans les débuts, mariage, je dis, je changerai si tu changes. Ah, elle dit mon coco, je ne suis pas de changer. C'est à toi de changer le premier. Dis, c'est toi le chef de la famille. Eh, j'ai dit, attends, je n'ai pas de famille, on n'a pas encore d'enfant. Elle dit, oui, mais du moment que je suis avec toi maintenant, tu formes une famille, dis, c'est à toi de montrer l'exemple. Oh. Ça m'a créé des difficultés au début de mariage. Là. Donc, j'ai rien dit. Au fur et à mesure, eh ben, j'ai changé. En mieux. Une fois, on change en pire. Et à un moment, j'ai vu que, bah, c'est bizarre, ma femme, elle avait aussi changé. Et c'est ça qui m'a engagé. Et le but, c'est vraiment, on est une lettre lue. On est une lettre lue. C'est ça qui est important. Si nous sommes reconnaissants pour sa miséricorde envers nous, nous ferons preuve de miséricorde envers les autres. Vous êtes d'accord de faire miséricorde envers les autres? Eh, avec de la sueur, mais on y arrive. En fin de compte, c'est d'arriver jusqu'au bout. Vous savez, ça fait maintenant très longtemps que je sers le Seigneur, mais je le sers vraiment avec joie. Pour moi, ce n'est pas une corvée d'être pasteur, hein, pas du tout. Hein. Bon, ce n'est pas mon métier, vous allez me dire. Donc, hein, les chrétiens, ils partent, ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent. Une façon de parler. Moi, c'est une vocation. Je ne suis pas payé pour annoncer l'évangile, donc moi je suis libre. Je peux dire aussi la vérité. Mais des fois, on ne préfère pas trop dire les choses. Si je dis ça, le couple va être un petit peu vexé. Si j'ai ce comportement envers ce frère, il va peut-être partir. Et s'il part, il n'y a plus de dîme. Non. Excusez-moi, dis ce que je ressens. C'est pour ça que j'ai la joie de servir le Seigneur. Amen. Je crois que c'est vraiment important. C'est pour ça que mon identité, elle n'est pas dans mes fonctions, mais mon identité, elle est en Christ. Si demain je dois partir, je pars. Moi, je suis fidèle au Seigneur et à ma femme. Point bas. Le reste, c'est l'œuvre. L'œuvre ne m'appartient pas. C'est ça qui est vraiment, je dirais, important. Si nous ne sommes pas miséricordieux envers les autres, Dieu ne sera pas miséricordieux envers nous, et dans ce cas, nous avons vraiment un problème. Avoir l'amour de Dieu en nous est une chose, l'exprimer en est une autre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus n'a pas parcouru la Judée et la Samarie en disant aux gens, « Oh, 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 c'est moi Jésus, Dieu vous aime !» Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? A exprimé l'amour agapé, l'amour pratique, en pardonnant, en guérissant les malades, en servant les gens et finalement en mourant pour eux. C'est quand, lorsque nous sommes assis dans le RER, quand je vois une femme toute jeune, enceinte, qu'est-ce que je fais? Je me lève et je lui laisse la place. Et les jeunes me regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Non? C'est ce que vous faites aussi dans le RER? Non? C'est important. Quand je rentre dans une trame, je dis bonjour, mais personne ne me répond, moi. Donc je suis une marginale. Comme je suis un marginal heureux, je continue, je dis bonjour. Et quand je pars, je dis au revoir. C'est la politesse, non? Faut pas dire ça, c'est fini, les gens, ils se parlent plus. Alors si. Téléphone portable. Les casques. Hein. Mais non, mais attendez, hein, on ne communique plus. Les hommes, est-ce que nous communiquons avec notre femme? Ah, je suis fatigué ce soir. Mais non, il faut participer. L'amour, c'est agapé, c'est se donner. Amen. Il faut qu'on se donne. Moi, je fais mon défi. Quand je repartirai là-haut,
Je voudrais que le Seigneur dise à Christian, rentre dans la joie de ton maître. Ça, je voudrais. Je fais tout pour. Alors, c'est important. Mais s'il me dit, rentre dans la joie de ton maître, je lui dirai une seule question. Dis, écoute, il y a certaines choses sur cette terre que je n'ai pas compris. Dis-moi, pourquoi ceci et cela? Vous voyez? Est-ce que nous comprenons tout, messieurs les pasteurs? Est-ce qu'on comprend tout dans la vie? Non! Mais le but, ce n'est pas de tout comprendre, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen! Amen. Nous-mêmes, les chrétiens, de la même manière, ne se contentons pas d'exprimer l'amour de Dieu par des beaux discours en prononçant « Dieu vous aime » ou « Je vous aime ». Frères et sœurs, ces paroles doivent être confirmées par des actes concrets. Soyons fidèles dans les petites choses. Vous allez faire un sourire à quelqu'un qui est triste, ça le réjouit. Et deux semaines après, cette personne, on le revoit dans le boulanger. Et d'un seul coup, il y a le boulanger, dit « Ah, bonjour, monsieur le pasteur !»« Tiens !»« Ah bah oui, c'est pas le coup qui s'appelle comme cela. » Mais il dit aussi des choses, il fait un sourire. Amen. Jean le dit bien que tous ceux qui affirment être chrétiens doivent marcher et vivre comme Jésus l'a fait. Si cela nous semble une tâche insurmontable, souvenons-nous que Dieu a mis en nous l'esprit de son Fils pour que cela nous soit possible. Tout cela veut dire, Dieu s'attend à ce que nous vivions une vie d'amour pour lui et pour les autres de manière pratique. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Et pour terminer, c'est l'amour en action. Et Jean ajoute dans son épître, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Les paroles, je le dis bien, ne suffisent pas. Notre amour doit s'exprimer par ce que nous faisons et donnons, même si cela exige un sacrifice de notre part. C'est important. Oui, je donnerai si je reçois. Non, ça c'est pas la bonne règle, ça. J'ai rien, j'ai un morceau de pain, et bien je le partage, et s'il y a plus de personnes, je le donne. J'ai connu ça. Même dans la disette, il faut donner. Parce que plus vous donnez, plus vous recevez. Mais attention, on ne donne pas pour recevoir. Mais on donne avec amour. Et c'est vraiment important. Car il n'y a parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et étaient postés aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Frères, l'Église doit être le modèle alternatif à la société que nous vivons, qui est égoïste et égocentrique, qui l'entoure. Nos paroles doivent être confirmées par des actes concrets. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, Jésus s'identifie de manière très intime avec ces personnes dont les besoins sont criants. Jésus ne les juge pas. Jésus ne les juge pas, mais il les aime. Il dit, aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur nous aide. Et si nous agissons ainsi, je vous le dis en vérité, c'est dans Matthieu, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans mon amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et la vérité et le véritable amour pour Dieu conduit à aimer en action, ou autrement dit, à obéir ses commandements. C'est ici mon commandement.
Et je terminerai par ce verset. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Allez-nous aimer. Et c'est vraiment merveilleux de voir les chrétiens se donner la main et de dire que nous nous aimons. Et cette ma prière, ça va être ceci, je ne sais pas si vous connaissez. Je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Amen. Vous connaissez ce chant? Amen. Qui chante bien? Alors moi je chante faux, mais je chante avec mon cœur. Alors, on va l'entonner et on se regarde. Je t'aime de l'amour du Seigneur, oui, car je vois en toi la gloire de mon roi. Amen. Et toutes choses vous seront données. Amen.